il paraît que vers 3 ans et demi, 4 ans, que je me suis mise moi-même au piano à faire des petites chansons avec un doigt, vous savez. Et mes parents ont vu ça et en fait, c'est grâce à eux que j'ai pu faire de ma passion ma profession. À 20 ans, j'ai abandonné le piano parce que je venais de lire, pas seulement pour ça, mais il y avait Paul Valéry, le poète, qui dit « Un métier par homme suffit ». Je me suis dit « Par femme aussi, peut-être hein ». Et grâce à mon professeur de piano de l'époque, j'ai fait la connaissance du professeur de composition, Marcel Quinet, qui m'a appris donc l'écriture, c'est-à-dire l'harmonie, le contrepoint et tout ça, et aussi l'orchestration. Mais je lui ai dit « Écoutez, je voudrais que la moitié de la leçon soit consacrée à la composition ». Ok. Et comme ça, on a avancé, donc voilà. J'ai eu l'occasion de voyager. La première fois, c'était en 77, j'étais aux États-Unis et on m'a demandé de venir donner une masterclass l'année suivante. Et alors, j'ai rencontré d'autres personnes. Enfin, finalement, j'ai fait le tour de 4 continents, sauf l'Amérique latine. Même jusqu'en Nouvelle-Zélande, on m'a invité, c'était formidable. Surtout que celui qui avait, le directeur du conservatoire qui m'avait invité, a dit « Écoutez, c'est la première fois que nous invitons quelqu'un que nous ne connaissons pas, rien que par sa musique. » Le piano, on a 10 doigts, on a des touches qui ont tout de même toute la même sonorité, je dirais, presque. Et bon, mais à l'orchestre, vous avez toutes les couleurs, tous les instruments, on peut faire des choses énormes, quoi. Tandis qu'à certains instruments, ou la plupart des instruments, s'ils sont seuls, c'est très limité, quoi. On peut faire toutes les couleurs, tout ce qu'on a envie d'exprimer. Je voudrais d'ailleurs vous lire une petite chose que j'ai retrouvée par hasard. La musique de tous les talents est celui qui tient le plus au sentiment, qui a les plus heureux effets sur la vie. De tous les beaux-arts, la musique est celui qui a le plus d'influence sur les passions, celui que le législateur doit le plus encourager. Et c'est signé Napoléon Bonaparte. Quand on me demande une œuvre, j'ai besoin de quelques mois pour réfléchir. J'ai un carnet dans lequel je mets des idées et surtout la forme. Quand je trouve la forme, je peux commencer. Mais j'ai déjà bien réfléchi et bien, j'ai même déjà écrit quelques notes, enfin, tout ça. Et puis ça dépend des instruments aussi. Je ne vais pas écrire une œuvre de 3 minutes pour orchestre, encore que. On m'a commandé une œuvre en Allemagne, à Dresden. Et c'était un morceau qui allait être joué pour le concert de Nouvel An. C'est-à-dire, on l'a joué, c'est un morceau qui dure 5 minutes, qui s'appelle Ein kleiner Winternachtstraum. Donc, au lieu de le songe d'une nuit d'été, c'est le songe d'une nuit d'hiver, n'est-ce pas, de Mendelssohn. Et alors, à ce moment-là, on a joué donc 2 fois la veille du Nouvel An, le 31, et 2 fois le 1er janvier, devant 2500 personnes chaque fois. Mais pour vous dire, d'ailleurs, c'est l'œuvre qui, dans ma vie, m'a rapporté le plus de droits d'auteur. C'est donc une petite œuvre de 5 minutes, parce qu'elle a été jouée devant 10 000 personnes, évidemment. Hein. La musique de notre temps en Belgique, il est difficile de se faire une opinion, hein, parce qu'on ne la joue pas beaucoup, je trouve. Il faudrait qu'on enlève aux gens le préjugé en leur donnant l'occasion d'écouter, et pas en disant « Oh, mais le public n'aime pas ça, mais qu'en sait-on ? Et que sait le public ?» Il ne peut pas juger les choses dont ils n'ont jamais entendu. Hein, c'est comme si on disait « Oh, ce pays-là, il est horrible, on n'y a jamais mis les pieds. » Voilà, enfin, il y a des tas de choses comme ça.